Que le spectacle commence! Bonjour tout le monde et bienvenue dans les vidéos de Balrog. Et comme vous l'avez vu, c'est un peu différent d'habitude. Je vous ai mis quelques petites séquences avec des beaux mouvements d'entrée de jeu. Et là, on se retrouve un méchant bas de châtillon essaye de m'attaquer alors que j'étais en IS-4. Le saloupio, j'ai réussi à me retourner à temps à lui mettre quelques doses. Et je vais avoir ma vengeance, puisque je vais lui mettre le coup final. Non mais oh, faut pas exagéré. Et bien sûr, quand personne le fait, faut le faire vous-même. Là, en l'occurrence, j'étais en fauche il y a quelqu'un qui est passé alors que j'étais tranquillement assis sur ma colline à observer le paysage. J'ai vu que quelqu'un passait par derrière, que personne dans l'équipe ne bougeait, et forcément, j'y suis allé. Quand personne le fait, faites-le vous-même. Un T26E4 qui est derrière, je m'approche. Hop. Dans la nuque, c'est bon. Et qui c'est? Qui c'est qui essaye de se faufiler perfidement par l'arrière? Un T44. Mais je l'ai vu, il ne passera pas. Ou plutôt, il y passera. Hop, je me positionne, il arrive. Boum. Je recule des fois qu'ils viennent me chercher, qu'ils essayent de me chercher au corps à corps, et j'y vais. Vu que ce couillon n'est pas du tout venu vers moi, mais s'est éloigné de moi, donc je vais le chercher. Boum. Et voilà, une belle dose. Et il est fini par le what the fuck qui m'accompagnait. Et maintenant je vais vous commenter un replay d'une partie en type 61, char tier 9 moyen japonais. Et je suis en peloton avec Laurent et son ST1 ou STI, suivant la prononciation, dirons-nous. Et ST1. Type 61, pardon, qui n'est pas full puisque je n'ai que la grosse tourelle, je n'ai le canon, c'est le canon tier 8 du STA1, donc le char précédent. J'ai les chenilles, mais j'ai pas le dernier moteur. Par contre, c'est un char très amusant, je trouve, ce type 61. Vraiment un gars sympa, le type du 61. Non, franchement, il est sympa. Donc, on va y aller, et je fais tout de suite une bêtise, ne paniquez pas si l'image s'est figée, c'était moi qui avais fait une bêtise, alors que je voulais afficher tout ce qu'il fallait. Alors, on se dirige vers la plage, Laurent et moi, on n'est pas les plus gros, on n'est franchement pas les plus gros, puisqu'il y a du tier 10 en face, il y a deux IS-7, un T110-5,
Et deux très grosses artis, tier 10, un GWE100 et un T92. Et ensuite, ça passe sur du tier 9. Donc, quand même, une très grosse partie pour nous. Surtout que moi, je n'ai que le canon du tier 8 qui fait quand même une bonne pénétration. Mais je ne sais plus de tête combien il fait de pénétration ce canon. Il fait du 218 de pénétration moyenne et 240 de dégâts en moyenne, ce qui est pas mal, mais le problème c'est qu'il fait pas énormément de dégâts et bah vous le sentez. Alors on y va, Laurent et moi, tout de suite je vous spot un Yag Tiger qui est tout seul. Bon, on peut se le faire s'il est tout seul. J'ai vu qu'il me regardait, tout de suite j'attends que Laurent détourne éventuellement ou qu'il tire par exemple, comme là. Que Laurent détourne son attention ou que je tire. Je fais un très beau tir où je lui ai mis le feu. Un de nos copains TD qui sont restés derrière lui avait mis une très belle dose. L'article et le loop, on a vu un très beau obus atterrir dans l'eau, un Yak Tiger, un T30. Donc ils sont deux. Et là, je fais quelque chose que peu de gens font, c'est-à-dire que j'essaye de les contourner. Ça m'étonne toujours autant quand je vois les possibilités de contournement et que aucun joueur n'a l'idée de contourner. Je regarde si j'essayais en fait d'activer les binos pour voir si je ne pouvais pas spotter une éventuelle artie qui serait restée en bord de côte. Par contre là je vais m'énerver parce que les médiums Centurion 1 et chasseurs de chars sont restés tout au loin alors qu'on a avancé et ils n'ont plus aucune solution de tir et leur position qui au départ était très bonne est devenue complètement inutile vu qu'on a avancé. Ce qui est un peu. Ils auraient pu bouger un peu, on va dire. Le Yak Tiger qui m'a vu, qui essaye de venir me chercher. Je l'embête, je les embête. Je fais mon travail de médium, c'est-à-dire les spotter et essayer de trouver la faille, essayer de mettre une dose quand ils viennent de tirer ou quand ils me tirent, quand ils me montrent leur dos plutôt. Un médium ça attaque, c'est perfide, c'est lâche, c'est très très, ça attaque quand l'ennemi lui monte son cul. Il est totalement débile d'attaquer un char lourd ou un chasseur de char avec un médium de face. Le Yag Tiger qui semble venir me chercher. Tout de suite, je recule. Laurent qui est en train de les maintenir en position. Un chasseur de chars qui est venu enfin nous rejoindre. Un RHM. J'essaye de voir s'il n'y a pas une faille. Le T30 vient de tirer. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le Yag Tiger. Je décide quand même d'aller voir le T30, vu qu'il vient de tirer, que je sais qu'il a un très long reload, un très long rechargement. C'est dans les 14 secondes, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est très long, donc j'avais largement le temps de lui mettre une petite dose, parce que le type 61 met des petites doses. Laurent qui tire, qui essaye de provoquer son tir, voilà. Tout de suite il a tiré, j'en mets une première, je sais que j'ai le temps, je recharge vite, moi. Une première, une deuxième, par contre on va pas tenter la troisième, ça serait peut-être un peu imprudent. On remonte, se mettre à couvert, par contre le Yak Tiger me monte son flanc. Je mets une dose, j'ai failli le louper. Le T30. J'ai failli me reverser. Non, on peut pas se reverser dans World of Tanks. Mais là, c'était cascade. C'était cascade time. Le Yak Tiger qui monte son flanc. Et c'est Laurent qui le termine. Laurent qui le termine. On a très bien géré à deux, là, ces deux chasseurs de charge. Je suis encore à 100% malgré que j'ai fait une chenille et que j'ai failli me retrouver dans l'eau. J'ai eu très peur là. J'ai fermé les yeux là, à ce moment-là.
J'avance prudemment pour essayer de spotter et montrer à Laurent ce qu'il peut ou ce qu'il pourrait y avoir. Je trouve dans le cap une artiche et un char lourd, apparemment AFK on va dire. J'en profite, par contre, man, j'ai été spoté du coup, vu que j'ai trouvé des AFK. Et ouais, l'autre artiche qui me met une dose. Le GWE100 qui m'a mis une très belle dose. Et Laurent qui se retrouve tout seul face à l'ennemi, mais l'équipe a très bien géré. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, l'article a été respoté. Laurent qui va peut-être pouvoir l'achever. Non, il n'a pas eu le temps, il n'était pas en position. L'IS-7 qui est très très loin. Donc c'est même pas la peine d'essayer de le pourchasser avec le ST1. Voilà, il vient de sauter. Il reste une artillerie. Laurent va essayer de la trouver. Mais elle est complètement de l'autre côté. Et maintenant, je vous dis au revoir et je vous laisse avec quelques petites dernières images qui bougent. Allez, à plus. Finish him!